Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AOZ, Edge of Z. Les amis, c'est le nouvel an chinois et on a des skins spécifiques, hein, une série de récompenses aussi bien méritées. Dans cette vidéo, on va faire une ouverture de coffre, bien évidemment, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, pas d'excuses. C'est le deuxième lien en description de toutes les vidéos. Le premier forcément c'est pour download le jeu. N'hésitez pas à tester Edge of Z les amis. Vous cliquez sur le lien, ça vous dirige directement sur votre store. Vous n'avez qu'à le télécharger et tester le jeu. Vous allez voir si vous aimez les zombies, il vaut vraiment la peine. Et lien du Discord, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Donc regardons ces petits thèmes de ville. Si vous êtes connecté, vous avez dû les voir avec un truc qui est bien sympa. Hein. On a le petit lion espiègle, apporte les vœux et les cadeaux du nouvel an, l'année du tigre d'eau. Toutes les 8 heures, le petit lion vous enverra un cadeau surprise. Bonne année au commandant, que l'année du tigre soit synonyme de puissance pour vous. Je trouve ça très sympa, très bien fait. Là en plus, à chaque fois qu'on clique, il y a une animation et on peut passer l'animation. On n'est pas obligé de se coltiner tous les jours. L'animation, même plusieurs fois par jour, on le voit, il y a d'autres décorations qui ont été mises aussi à ce niveau-là. On peut zoomer. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa. Sur la roue aussi, des petites lanternes. Enfin bref, ça anime un petit peu votre ville et moi, je trouve ça vraiment très cool. J'aurais aimé en revanche plus d'événements spécifiques, pourquoi pas également des bundles spécifiques, on en a que peu là, des événements qui sont spécifiques au jour de l'an, au nouvel an. C'est dommage, ils auraient pu forcer un petit peu le trait. Les amis, n'oubliez pas, je vais vous faire courant de ce mois, je vais continuer de vous faire découvrir le mode guerre classique en Tower Defense et toutes les stratégies que je mets en place. Il me reste le niveau 14 à faire avant d'attaquer le 15, le 16. Apparemment, certains d'entre vous m'ont dit que le 16 était vraiment très chaud et était impatient que j'aille dessus pour le tester. Eh bien, les amis, on testera ça. Déjà, il va falloir passer le 14 en 3 étoiles et c'est pas gagné. Il est très tendu. J'ai fait quelques petits trails et franchement, c'est vraiment tendu, mais je vous ferai ça en vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir, les amis, des cartes de commandant. J'appelle ça des coffres, moi. C'est des coffres dans tous les jeux. On va aller sur les officiers et vous allez voir, non, le recrutement d'officiers plutôt. Et vous allez voir, j'ai gardé un petit stock de 107. Ça va pouvoir nous permettre, sur le recrutement élite évidemment, c'est le plus intéressant. On va pouvoir évaluer si j'ai de la chance et surtout, on peut faire des stats. Je fais souvent ça dans les jeux de stratégie comme celui-là. Des stats aux ouvertures, j'ouvre que par gros paquet et par paquet de 10. C'est toujours ce qu'il y a de plus rentable. Donc on commence les ouvertures les amis, on va commencer tout de suite par 10, on va voir ce que je récupère, oui j'en veux 10, pour le moment, ah, bon, j'allais dire rien d'intéressant pour le moment, mais 6 stratèges type Laureline, très bien, je ne l'avais pas en point 1 également, fragment de Cathy, alors évidemment je préfère avoir un commandant plein qu'un fragment, un premier tirage qui commence très bien. On recrute encore, quand j'en ouvre 10, ça ne m'en compte que 9, un petit bonus. Bon, lui, le commandant bulle, fragment de bulle, on s'en moque comme si je ne l'avais pas. On n'est pas sur de l'épique, Jamie aussi. Moi, je veux que de l'épique, les amis, des niveaux d'XP. Ça va pouvoir permettre de les monter. On continue. Putain, mais lui, pourquoi je l'ai encore bulle? Je m'en fous. Je veux, voilà, c'est déjà mieux, Laureline. On va pouvoir continuer de la monter. J'ai aussi Ginger, j'aime bien Ginger. Un seul fragment de Zeus. Pas terrible. Bon, là, j'ai quand même un tirage beaucoup plus chanceux. Si vous avez raté la première vidéo d'ouverture que j'avais faite, allez la voir. Je suis quand même beaucoup plus chanceux que la première fois. Fragment de Cathy, j'en ai qu'un malheureusement. Un autre tirage décevant là sur ce coup-là. On continue, on va voir. Oui, je vais pouvoir renforcer et continuer de monter le Major Morgan. Mes D6 également, même si je ne suis pas fan de mes D6. On continue, un nouveau fragment, un nouveau commandant Jesse, lui, il ne m'intéresse pas. On continue, on a deux nouveaux Ginger. Ginger, j'aime bien son skin, il est sympa, il est bien dans le thème du jeu. Je trouve qu'elle est vraiment bien dans le jeu, dans le thème. C'est une des commandants que je trouve le mieux designé, Ginger, de mon point de vue, bien évidemment. Oh, je l'avais jamais eu, lui, le professeur Gray, très sympa. Des fragments, un seul fragment de Saki, malheureusement. On a aussi Arthur, on passe, on continue d'ouvrir 10 fois. On a déjà fait la moitié, quand je clique, c'est vrai que ça ouvre plus vite. Fragment de Tempétarque, ok, on continue. Hein. Hop là, on va accélérer à chaque fois. Encore 8 de Tempétarque, parfait. Un seul
fragment du professeur Gray. On va continuer voir ce qu'on a. Zeus encore. Vous avez vu, il y a quand même, c'est quand même bizarre quand ça ouvre. Bon, là j'ai un paquet complet de Tifa. C'est étonnant quand ça ouvre. Souvent, quand j'ai un commandant épique, et eh bien je l'ai plusieurs fois. Ou quand j'ai un commandant légendaire sur une série, un commandant normal, pardon, sur une série, et eh bien je l'ai très souvent plusieurs fois. À se demander si c'est vraiment parfaitement aléatoire. Allez, il m'en reste 10 têtes à ouvrir. Donc j'ouvre les 10 d'un coup. J'ai deux fragments de Saki. Bon, lui, on s'en moque, de Sergent Barnet. Et maintenant, si je veux faire des ouvertures, c'est que par une fois. Alors je vais les ouvrir en les 7 dernières, je vais les faire. Comme ça j'ai plus dit, vous avez vu, deux fois j'ouvre, deux fois j'ai Arthur. C'est exactement ce que je vous disais. Parfois j'ai l'impression que c'est pas si aléatoire que ça. Fragment d'Alexandra, ok, c'est très bien. Fragment de Papillon, fragment encore d'Arthur. Vous avez vu, hein, vraiment, ça m'interroge cette pseudo-aléatoirité, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment parfaitement aléatoire. Et j'ai fini avec Molos. De l'autre côté, j'ai encore 10 de commandants normaux. J'ouvre, bon, faut pas espérer d'avoir des merveilles de ce côté-là. J'ouvre toujours rien de ouf avec des commandants verts. Hein. On peut pas trop en demander, en espérer non plus. J'ai quand même Rock Bell et c'est fini. Il m'en reste plus 2 que je vais garder. Un tirage pas trop mal au final, même bien. Moi, j'en suis satisfait. Si on regarde les commandants que j'ai obtenus et ceux que je peux monter, normalement, je dois. Est-ce que je peux pas, je dois pouvoir le monter lui? Oui, je dois pouvoir le monter. J'ai eu aussi pas mal d'XP. Donc, c'est pas trop mal le tirage que j'ai eu. Franchement, moi, je suis satisfait de ce tirage pour une fois. Si vous avez déjà eu des tirages de ouf en ouvrant 10 coffres, n'hésitez pas, les amis, à me les mettre en commentaire ou à venir sur le Discord échanger. Bien évidemment, ça sera toujours avec plaisir. J'ai un officier à nommer. Allez, on nomme qui nomme-t-on? On peut nommer ce commandant-là. Allez, vas-y, on nomme celui-là. Comme ça, on est détente et ça augmente la puissance. Je peux même les upgrader. Après, je peux la faire monter rapidement, elle. Je vais voir lesquels je fais monter. Il va falloir que je change un peu mes commandants parce que certains sont un petit peu faiblards. Je le reconnais. Je vous ai mis en vidéo avec vous dès le début du jeu. À présent, il faut que je les change. Ça explique aussi pourquoi souvent je me fais déboîter. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette première vidéo du mois de février. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. On va faire plus de vidéos et continuer sur le mode Tower Défense que vous aimez tant. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur AOZ.